Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Prudhon, je participe aux actions de la Fondation de la Chimie et avec mon collègue Jean-Claude Bernier, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, on est vraiment ravis de vous recevoir et d'animer la table ronde sur la préservation de la ressource. On a vu comment c'est important, donc moins consommer d'eau et lorsqu'on la consomme, comment essayer de mieux la traiter pour la recycler et la réutiliser. Donc on a choisi, et je remercie les industriels qui ont accepté de témoigner sur des actions très concrètes, on n'est pas dans la théorie, c'est des actions très concrètes qui sont menées par des entreprises ou des secteurs industriels. Et donc vous allez voir dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la laiterie, à la fois des technologies et aussi des actions, qu'est-ce qui a été mené. Donc je vais appeler à cette table ronde Patrick Cléré, qui est directeur du département technique de France Chimie. Merci sous les applaudissements, tant qu'à faire. Ouais. Patrick Renck, qui est responsable environnement d'une belle société qui s'appelle Alsace Chimie. Pareil. Christelle Pagotto, ingénieure qualité assainissement pour Veolia en France. Fabrice Le Teneur, qui est président du syndicat industriel Ciprodo. Et président de la société NeoO, on ne peut pas l'inventer ça. Hein. Jérôme Montagnier, directeur général de la société QR. Et enfin, Jean-Baptiste Hubert, expert osmose inverse de Veolia.